Après quoi, donc, si l'on n'a pas compris ce qu'est le beau, on a peu de chances de comprendre ce qu'est le juste. C'est quoi le juste? Et là, on entre dans la philosophie hermétique. Je ne voudrais pas te faire parler la bouche pleine, mais je pense que tu as de la pertinence. Qu'est-ce que le juste? C'est une partie de l'équilibre. Et j'ai expliqué l'autre jour pourquoi il y a une nuance entre harmonie, justesse, équilibre. Si je me mets comme ça, tu te souviens? Je suis en équilibre. Est-ce que je suis en harmonie? Ça n'est pas sûr. Là, j'ai un gros nez, les oreilles décollées, c'est pas ça l'harmonie. Bon. Entre nature et substance, il y a toujours une nuance. Si tel n'était pas le cas, je serais Dieu. Bon, c'est de la haute philosophie. Hein. Si vous notez cette phrase et que vous la réfléchissez, vous allez voir que c'est du lourd. Bon, alors, c'est quoi la... comment dire... juste? Le meilleur moyen de le rendre, c'est adéquation. C'est pas évident à comprendre, on va passer maintenant au vrai. Le vrai, sa fonction, c'est de nourrir. Si vous n'avez pas le vrai, vous allez dépérir. C'est pourquoi dans vous-même est inscrite cette recherche permanente. C'est ça l'intérêt de l'existence. La cervelle est la une orientation que lui donne le cœur. C'est le cœur qui cherche le vrai. Le cerveau, lui, cherche les moyens d'y arriver. Grosso modo, on a cette image chez les anciens. Quelqu'un lance la balle au chien qui figure l'intelligence, celui-ci va chercher la balle et la ramène. Et son maître va à l'endroit où, etc., etc. Enfin bon, on s'en fiche, mais c'est comme ça que ça a été figuré. Et ensuite, le bon, qu'est-ce que le bon? C'est l'intelligence de l'intelligence, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la vie qui a été offerte, de l'existence, de la santé, etc., etc. Donc on se doit d'être bon pour soi-même et bon pour les autres. C'est ce que rappelle cette chose-là. Alors, ça se détermine dans le vrai, pour quelle raison? Vous m'entendrez toujours dire que la lettre B, et ça dans tous les ouvrages de linguistique ancienne, la lettre B, c'est la lettre qui dit le lieu, l'enceinte, la situation, la maison, etc. Alors quand je dis l'enceinte, c'est dans les deux adéquations particulières, c'est-à-dire le B, c'est la dame enceinte, elle a des gros seins, Laetitia, et un gros ventre. Donc ça dessine la lettre B de profil. Zouk, boum. Et l'autre, c'est l'enceinte, c'est un lieu, etc. La plupart du temps, rond avec du feu au milieu. C'est donc l'application inverse, c'est l'esprit, c'est le soleil. Bon.